Comment tu manges mes gens? Ça va? Eux, ils connaissent la recette. Quand vous me demandez, je vais la dire. Il fallait pas en mettre beaucoup, c'est pas grave. Non, c'est une cuillère. Ouais, une cuillère quand même. Mais en plus c'était un quand j'ai vu sur que celui que j'ai vu la vidéo, c'était un pro qui faisait la cuisine. Ah oui. Oui. Et du coup, je me suis dit c'est-à-dire que c'est vrai, c'est sûr que c'est bon. Mmh. Puisque si c'est un pro, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est bon. Ah, quand c'est un pro qui te dit c'est bon. Mais quand maman te dit non, maman n'est pas pro. Si toi aussi t'es pro. Ah, d'accord. Je peux? Oui. On me dit si c'est bon. Donc c'est maman qui goûtait. Oui. On va prendre la grosse. Je te l'avais dit. Bonjour mes gens. Bonjour, bon dimanche. Ça va? La perruque de chez Vanessa Pond. Ce n'est pas. Ça, c'est chez les Pond. La qualité. Regardez-vous les cheveux. Appréciez. Voilà. Je vous annonce aujourd'hui que je fais partie de ses ambassadrices pour représenter sa marque de perruque. Le goût de ça, la qualité, le cheveu de ça. Maman, c'est souple jusqu'à. C'est souple jusqu'à, c'est beau jusqu'à. Regardez comment ça me rend belle. Au goût de ça, partagez s'il vous plaît. Ça, c'est chez les Pontes. Au goût de ça, et encore, je n'ai même pas encore bien coiffé comme il faut. Voilà, ça, ça me rend dame. Ça me donne mon âge. Vous me donnez quel âge comme ça là? Vous me donnez quel âge, mes gens? Ça va, mes gens? Bon dimanche. Hein? Voilà, bon, je vais finir avec Nicolas. Ça, le temps, vous connaissez le temps, hein? Le temps, c'est Z de l'or, hein? Le temps de chez qui? Elsa de la Fangui, en effet, c'est la qualité. Tu as vu ça, non? Tu as vu, non? Le goût de ça, regardez. Le goût de ça, avec la brillance qui va avec. Je dis que je n'ai même pas beaucoup coiffé, hein? J'ai pas beaucoup coiffé, hein? Regardez. Ça, c'est Pente. Toi, c'est chez Vanessa Pente. Vous avez vu, non? La qualité, le goût de ça. Bonjour, madame. J'ai besoin de ton numéro où je peux écrire en inbox. Mon numéro, c'est le 06 58 15 90 06. Voilà. Donc, pour avoir des jolies perruques comme ça, là, la qualité et tout ça. Ah, vous avez 44 ans. 10 ans. Waouh. 44 ans, je prends, bien sûr. Et le mois prochain, hein, j'ai mes 48 ans, hein, le mois prochain. Hein. Donc, hein, quand même, 48 ans, hein, je l'ai fait ou pas? Moi, je te donne 25. Aïe, le goût de ça. Michel, le goût. Ça va? Donc, de temps en temps, un peu comme ça, là, je me suis fait belle. J'ai mis un peu de... Vous avez vu un peu? Regardez la qualité. Regardez vous-même. Appréciez. Regardez. Regardez, je me rapproche. Aïe, 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 aïe. Le goût de ça. Deux spaghettis. Le goût de ça. Deux spaghettis mayonnaise. Aïe, 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 aïe. Franchement, vous me regardez. Ça, c'est chez ma... Vanessa Pond.
Vous avez vu la qualité du cheveu? Ça tombe tout seul. Franchement, le goût de ça. Le goût de ça. Ça, c'est chez Vanessa Pond. Et je dis, le temps, c'est de chez qui? Le temps, c'est de chez qui? Z de la... Maman, j'ai fait l'angoine. Ah oui, 40 ans validé. Vous avez 40 ans? Aïe, 8 ans de moins. Maman, j'ai fait l'angoine, pardon. Admirez mon make-up et ne riez pas trop. Allez, vous cherchez. Est-ce que vous êtes là? On vous connaît. Si je me mets comme ça. Non, attendez, si je me mets comme ça. Là, là vous voyez bien. Non? Là, vous voyez bien. Vous voyez mon make-up. Faites les captures d'écran. Comme ça, on va faire au ralenti. Mémé! Mémé, pardon, ne viens pas ici. J'aime pas ça. Tu viens te moquer de moi. Mémé, laisse-moi faire mon angoisse. Et à la messe, non. Maman, je vous dis que hein, ça, c'est le perruque de chez Vanessa Pond. Regardez même ça. Le make-up de ce... De ce Baitata Doudou. Ah, non, mais le rouge à lèvres, c'est de ma fille. Hein. Le rouge à lèvres est de ma fille. Ma fille, comment on l'appelle là? Empire Beauty. Voilà. Arrêtez de vous moquer de moi. Pardon, j'ai faim. Le dimanche, on ne fait pas... Belle avec ta moustache. Aïe, j'ai la moustache. Ah, tu s'envoies. Pourquoi tu fais les choses comme ça là? Hé, hey, tiens. J'ai la moustache. Hé, hey, qui dit ça? Pourquoi tu es comme ça? Oh, c'est pas gentil, hein? Tu ne fais pas ton âge, ma soeur, hein? Tu es comme une jeune fille de 35 ans. Eh, Patrick Tchakounte, merci beaucoup. Oh. J'aime ton rouge à lèvres, Doudou. Eh, je te dis qu'elle commande chez ma fille, là. Elle est aux États-Unis. Parce que je suis sûr que quand tu vas me voir, tu vas arracher. Mais le prophète te dit de commander maintenant. Comme tu es ma soeur que j'aime, je ne pourrais pas te refuser. Mais si Dieu peut faire en sorte qu'on se voit comme on se voit, là. Oui. Ne commandez rien pour que je vienne te livrer. Parce que tu vas m'attraper au coup que je veux ça. Mais commandez chez ma fille, Empire Beauty. Elle va me te rajouter. Tout le monde qui commande venant de ma part là-bas, on vous fait seulement les réductions. Soit elle rajoute, comme c'est des petites pépites là. Tu vois, non, elle prend, elle rajoute seulement. Quand c'est pour Vanessa, si vous commandez chez Vanessa, venant de ma part et tout, vous-même, vous, est-ce que je vous dis encore? Elle fait souvent, elle rajoute comme ça, beaucoup, beaucoup. Bon, mes gens, ça n'empêche que j'ai quand même faim. Hein? On va faire la sardine. Vous savez que c'est les temps durs. Quand c'est dur, il faut savoir accepter. Hein? Et je ne voulais pas me faire le luxe d'aller acheter. Parce que quand c'est souvent comme ça, tu te fais un petit beefsteak, un steak, un truc comme ça, là, vite fait. Non, moi, je ne mange pas la viande. Nicolas m'a dit qu'il n'a pas très faim, il veut grignoter. Il veut juste manger ses fruits. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je te fais tes fruits. D'accord? Donc, moi, je vais manger la sardine avec les pâtes. La pépette a fait les pâtes hier. Donc, c'est ça que je vais retourner avec la sardine. Vous connaissez, non? Vous connaissez la sardine et tout. On va faire un truc simple et par-dessus, je vais mettre le gruyère. Et ça va me faire mon repas. Voilà. Moi, je ne m'abstiens de rien. Le dimanche, on ne fait pas de... Le dimanche, on ne fait pas de carême. Voilà, on est rentré à la messe, ça a été... Ça a été, on est rentré à la messe là. Ça a été bien. On a prié pour tout le monde. Tous ces gens qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Qui ne savent pas, mais qui ont besoin de Dieu dans leur vie. D'accord? On a prié pour tous ces gens-là. Donc, pour ça, j'ai ma sardine. J'ai ma sardine. J'ai ma tomate. J'ai mes condiments.
avec mes oignons. Pas grand chose. Nicolas se régale au salon. Il ne parle plus. Hein. Aïe. Nicolas ne parle plus, je vous assure. N'oubliez pas le grand rendez-vous cet après-midi, ce soir, hein, en début de soirée, chez les Messans. C'est un thème qui concerne la femme, puisqu'on est toujours dans le mois de la femme. Donc, on va discuter un peu avec, j'ai vu là, mes sœurs, l'étoile cribienne. Je ne savais pas, mais ça va nous faire un joli plateau. Hein, un joli plateau qu'on va pouvoir discuter. Donc, il y a l'étoile cribienne et puis il y a la PDG canadienne. Voilà, il y a la PDG canadienne aussi. Donc, c'est les invités. Nous sommes les invités de Monsieur Messan, le grand frère de tous les temps. Donc, on va parler, vous allez voir un peu, on va parler de tout et de rien. Donc, je vous invite à y être là. Vous allez entendre comment on va interviewer Tata Doudou. Vraiment, les Missungettes, je compte sur vous. Hein. C'est le moment où jamais il faut me suivre. Hein. D'accord? Moi, je ne fais pas beaucoup d'émissions, mais quand même, quand je suis invitée quelque part, n'hésitez pas à partager. Donc, je vais compter sur vous pour partager, 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 partout, 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 partout. D'accord? Voilà. Bon, on va mettre un peu d'huile, un tout petit peu, parce que la sardine a déjà l'huile. Voilà, on met un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu. Là, je vais mettre mes oignons direct. Tomate. Je mets mes oignons, ma tomate. Je mets directement aussi mes oignons. Je vais vous montrer. Hein. Mais attendez d'abord que je mette tout parce que l'huile, la marmite chauffe déjà. Là, j'ai vraiment pas envie de me salir les mains. Je vais pas rester trop longtemps non plus dans la cuisine. Voilà. Un peu d'ail. Je mettrai aussi un peu de moutarde. Et puis après, on va ouvrir nos sardines. Là, je ne veux pas rester longtemps dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va ouvrir nos deux sardines là. La sardine les gens, la sardine on fait revenir tout, hein? La sardine, hein? Après on va mettre les cuillères par dessus au bout du sac. Voilà, je vais faire cuire un peu la tomate pendant ce temps. J'ouvre. Ça, c'est à l'huile d'olive. Voilà. On va assaisonner quand même un peu de poivre. Un tout petit peu de sauce soja. Parce qu'il faut aromatiser notre sauce. Hein? Un tout petit poil avec du paprika,
Voilà, un petit peu de paprika. Tac. On va assaisonner après. Voilà. Je rajoute ma sardine. Le goût de ça, on faisait souvent comme ça. Là, tu peux sauter ça avec le riz. Hein. Tu mets le riz dedans. Quand tu finis de faire comme ça, là, après, tu rajoutes le riz. Hey! Le goût. Et je rajoute un peu d'eau quand même. Le goût de ça, oh, le goût de ça. Notre repas d'étudiant nostalgie, oh, n'est-ce pas? La Rosita. Le goût de ça, et ça a le goût, hein, avec la sardine comme ça là. Donc jusqu'à où tu rajoutes les petites pâtes là, comme ça là, comment on appelle encore ça? Qui n'a pas mangé la nourriture ici? Ah, une nourriture que quand tu as faim, soit les pâtes. Et ils ont chanté deux œufs spaghettis. Ah, les œufs, les spaghettis là. Tu fais la sauce là comme ça. Tu fais cuire tes spaghettis. Ha, tu rajoutes dedans, mon frère. Tu manges. Tu damas un petit piment, un gingembre. Le goût de ça. Ha, quand tu t'assois, on te dit là qu'on te montre le poisson braisé, les bas machin et tout ça. Tu refuses ça. Non, non, non. Tu es calé avec ta passe. Donc ma passe, hein. Les coquillettes, merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que je mangeais ça quand j'étais enceinte de mon fils, ni Alain. Alain m'a fini avec ça. C'est-à-dire que s'il me fallait avoir au moins 500. Mais 500 là, hein, c'était mes pâtes là. Que j'achetais les spaghettis. J'achète ça avec la sardine. Dès que moi j'ai ça, c'est bon. Dès que j'ai ça, le goût de ça. Donc là, moi je vais faire avec mes macaronis parce que la pépette, elle a fait ça hier. C'est resté, j'ai mis au frigo. Elle ne savait pas que moi aussi j'avais déjà cuit ça bien avant, hein? Donc je vais mélanger ça comme ça là. Mais Jean, imaginez, je mélange ça comme ça, après je verse dedans. Maintenant je fais alors la touche française, je rajoute le gruyère. Fait cuire comme ça, mais attends, ça c'est la nourriture de luxe. La nourriture de luxe, ha! Qui n'a pas mangé ça? Ceux qui n'a pas connu ça, ils ne connaissent pas la galère. Hein? Ceux qui n'a pas mangé ça, ne connaissent pas la galère. Parce que même ici en Benin, ça nous aide la magie. Quand tu as une famille de beaucoup d'enfants et tout ça là, que ou alors les temps sont déjà du genre, mais il faut toujours préparer quelque chose à, faut toujours mettre quelque chose dans la marmite pour faire manger les enfants. Hey! Si toi tu as ta sardine, parce que c'est ça qu'on nous a appris, toujours avoir la sardine en cas de dépannage. Tu as la sardine, tu as le riz, tu as les pâtes, tu as l'huile, le sel. Si tu as tout ça, les pommes de terre ici, parce que les pommes de terre ça ne coûte pas cher. Voilà, donc quand toi tu as ça, tu ne peux pas mourir de faim. Hein? Et fini de faire comme ça, mes gens, je dose ça là, comme ça là, la sardine de ça. Ha! Attendez, vous allez voir. Dès que je finis de faire mélanger tout ça là, après je serre un peu, je tape le gruyère dessus, je mets au micro-ondes. Oh! Tata doudou, qui me peut aller ici? Hmm? Allez chercher vos sardines. Moi j'ai déjà ma parquée dans la marmite. Allez chercher pour vous, vous faites pour vous aussi. Vous mettez les spaghettis. Vous mettez les spaghettis. Coucou Bombo, ça va? Réjean Carmel. Ça va Bombo? Allez faire pour vous là. J'ai dit que mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. On fait la sardine. Sardine, macaroni, ça c'est les temps durs. Quand c'est chaud, on mange comme ça là. Mais ça veut dire qu'on a toujours quelque chose pour la mamie. Observez bien comment la sardine
Ben, ah, le goût de ça. Vous me regardez. Regardez-moi ça. Vous-même. Massa. Il manque un peu de verdure. Hein. Vous-même. Look at this. Look at this. Regardez comment. Regardez la couleur. Vous-même. Regardez la couleur. Il manque un peu de verdure. Tu peux rajouter, si tu as les poivrons, tu mets le poivron, hein, l'oignon vert, tout ce qui est vert là. Vous voyez, même les petits légumes là, vous rajoutez dessus et tout ça là. Hein, voilà, mais moi je ne veux pas rajouter tout ça. Franchement, je vais laisser nature comme on a l'habitude, non? Attendez, je verse mes pâtes, le goût de ça. C'est les nuits qui ne mettent jamais long. Hein. Ça finit vite jusqu'à. Ça finit vite. Ou alors, tu peux faire, tu finis de faire comme ça là. Hmm? Si vous qui avez la patience, tu mets, tu rajoutes un peu de. Un peu de crème. Crème légère là. Hmm? Quand tu as fini comme ça, tu rajoutes un peu de crème légère avec. Tu mélanges bien. Après, tu prends le gruyère, tu verses par-dessus. Tu prends ça, tu mets au four quelques temps. Ah, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 tata doudou. La, 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 tata doudou. Tata doudou. Tu connais, tu connais, tu connais. Mais moi, je vais garder nature comme au pays, là. Comme au pays. Je vous montre un peu, mais je vais rajouter un peu de... Coucou maman Thérèse Fontelier, comment tu vas ma mère à moi? Bon dimanche ma mère, j'étais à la messe, maintenant je nous fais, tu vois non, les spaghettis là que vous nous avez nourris avec les macaronis. Vous nous avez nourris avec quand les moments étaient durs d'un genre là. Hmm? Je suis en train de faire ça ma mère, c'est ça que je vais manger là tout à l'heure. Et je vais mettre un peu d'eau pour bien faire revenir... ou bien réchauffer les pâtes. Voilà, parce que nous, c'est ça qui a bercé notre enfance. Et nous sommes devenus des femmes, comme nous sommes aujourd'hui, avec ce genre de nourriture. Et ça ne chauffe pas. Les nourritures même qu'on a commencé à apprendre à préparer, avec ça, on faisait à manger, hein. Voilà, je rajoute un peu d'eau comme ça et je baisse le feu pour que ça boue bien, que ça soit bien chaud là. Je baisse le feu. Comme j'ai faim, je ne peux pas attendre. J'ai faim, je ne peux pas attendre jusqu'au soir. Jusqu'à... Attendez, je goûte d'abord hein, parce que... Ouais, ça va. Ouais, la sardine est déjà salée. Je n'ai pas rajouté de sel. Hein. La sardine est déjà salée. J'ai mis seulement un cube. Donc, c'est parfait. Donc, là, je laisse d'abord que ça boue bien. Je vais couvrir. Dès que ça commence à bouillir, je baisse le feu. Donc, je vous dis que le genre, si. Tata, je suis devant la porte. Sonne. Après, il vient ouvrir. Le genre, si. D'accord? J'ai dit, pour ceux qui ont la patience, si vous voulez faire manger ça aux enfants et qu'ils adorent, le genre qu'ils sont là comme s'ils commencent à lécher, là-dedans, vous aurez le fromage. Vous prenez le fromage râpé, vous versez. Mais pendant, avant de mettre le fromage râpé, vous prenez les crèmes légères là, non? Les petites là, petites un tube comme ça là. Vous rajoutez dans votre sauce. Ça ne gêne même pas un peu. Vous rajoutez dans votre sauce après avoir fait comme j'ai eu à faire là. Vous rajoutez votre sauce et vous mélangez le tout. Vous sortez ça, vous mettez dans un plat à four. D'accord? Le plat du four là. Et maintenant, vous mettez le gruyère. Vous versez, beau maillé. Quand on met au four, on appelle ça comment? Hein? Quand on
on met au four, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on met au four, on appelle... Répondez vite. Hmm? Coucou, ma sister Corinne et Yenga. Ça va? Asli, ça va? Bonjour. Quand on met au four, on appelle ça comment? Bon dimanche aussi à toi. Hmm? Très bien. Bakam, bakam. Le goût de ça. Gratiné. Hmm. Voilà. On fait du gratin. Non, Carmen, c'est le gratin. On fait le gratin avec. Tu laisses. Tu laisses même pendant que tu mets le four à fond. Tu laisses 20, 20, 25 minutes là. Tu vois un peu, non? Tu allumes le côté grill. Comme je fais souvent le poisson braisé là. C'est le côté grill là que tu mets. Puisque tu ne fais plus cuire. Tout est à cuire. Mais tu veux rendre le côté là. Tu mets le gratin. Hey, a manqué. Aïe. Mon grand frère est prêt avec les questions, Jean-Jean, là. Tu dis que je suis prête, hein. Est-ce qu'il voit un peu la peu près? Manqué, tu as vu un peu la peu près de ça? Hein? De chez notre sistou, Vanessa Pente. Vous avez vu ça? Mettez-moi le cœur pour elle. Parce que c'est de la qualité. Vous-même, vous regardez le goût de ça. Hein? Maman, comment on fait le ralenti? Comment on fait le ralenti? C'est comme ça qu'on fait. Mais j'ai les vertiges. Hein? Le... Attends. Le goût de ça. Voilà. C'est lancé. C'est ça même. La Dati rit seulement comme tu ris là. Je suis grave. Tabitha. Ah, le goût de ça, pardon. Ouais, observons nos pattes. Béni de Dieu. Elle dit que béni de Dieu, laisse seulement ta mère. Asli. Tes vidéos apportent la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup, Tabitha. Ça fait longtemps, hein, toi-même, Tabitha, là. Hein? Ça fait longtemps, ma chérie. Deux heures spaghetti. Ah, merci beaucoup pour les étoiles. Oumou, ça va? Comment tu vas, ma allemande à moi? Hein? Jeannette, coucou. Merci, merci, merci pour les cœurs. Je vous attends, hein. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure chez les Messins. D'accord? Chez mon grand frère Messin. Il va parler de la femme. Donc, je serai là-bas avec ma petite soeur, l'étoile cribienne. Et puis, la PDG canadienne. La PDG canadienne, je ne sais pas. On va se retrouver sur le plateau. C'est vraiment une très belle... Ça me fait plaisir. Je suis toute excitée. Je suis toute excitée, mes gens, pour participer à cette émission-là. Quand mon grand frère m'a contacté, waouh, j'étais vraiment très, très contente d'être... C'est bon, mais tu n'avais pas mis assez de sucre. Mais tu as fini quand même. Ouais. Il reste encore un petit sirop d'érable. Je le mets où? Non, il faut jeter ça. Ça ne tient plus. Et on passe au service. La dégustation. Oh wow. Le goût de ça. La dégustation. Ça, c'est le genre de nourriture qui ne mettait pas long à la maison. Dès qu'on prépare ça. Là, tout le monde pouvait déjà manger. Mais, ici là, nous rajoutons encore le gruyère.
C'est-à-dire que quand tu prends le gruyère, tu mets ça comme je veux mettre là, comme ça, là, partout, dans... la petite touche là. Et tu reprends ton assiette comme ça là. Tu mets ça. Oh, micro-ondes. Oh, maman. On va aller s'asseoir, on va manger ça. Attendez. Et tout le monde a à manger. Mettez les cœurs pour des petits plats qui ne coûtent pas cher. Mettez les cœurs pour des petits plats qui ne coûtent pas cher. Hmm? Des petits plats qui ne coûtent pas cher et qui nourrissent toute la famille et tout le monde est content. Maman, le gruyère de ça. Aïe. Quand tu as encore mieux, tu mets le parmesan. Ou alors tu mets l'autre là. Attendez. Parce que moi, je triche souvent. Hein. Tellement j'aime le gruyère aussi. Je ne peux pas mettre comme ça directement parce que sinon ça ne va pas. Ça ne sera pas. J'aime quand je soulève comme ça là, après. La petite corde là. Attendez. Quand tu as le parmesan, tu mets ça. Donc moi, je soulève souvent comme ça. Vous voyez, non? Je soulève souvent comme ça là. Je finis de mélanger d'abord avant de mettre au micro-ondes parce que j'aime quand ça vient à partir du bas là. Voilà. Et, maman, voici les recettes aussi. Je vais vous dire, quand tu arrives dans ce pays et que tu pars au restaurant, les gens qui ne sont pas habitués à aller au restaurant là, hein? Parce que quand tu vas aller au restaurant, il y a les nourritures des blancs que tu vas goûter. Toi-même, tu vas voir là-bas, tu vas dire que, hey, la qualité, si je n'ai jamais mangé ça. Mais le style, si, comment on va faire? Quand tu vois les pâtes, hein, pâtes bolognaises, quand tu vois ça. Oh, ma fille, c'est de l'heure est là. Le goût de ça, le teint de l'heure, c'est Z de l'or. Maman, le doc de ça. Donc, quand tu vois ça comme ça, tu vois seulement spaghetti. Tu commandes ça vite. Après, on t'apporte un petit plat de nouilles, hein, avec le parmesan qu'on a versé dessus. Toi-même, tu manges ça, tu n'as pas le choix. Parce que si tu peux prendre autre chose, ça peut cuire sur toi là. Hein. Tout va rester. Parce que tu es habitué à manger et les sauces lourdes, genre là. Hein? Les sauces lourdes, genre. C'est ici qu'on a appris, il faut dire la vérité, c'est ici qu'on a appris la cuisine raffinée. La cuisine raffinée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une grosse assiette comme nous, c'est riche. Nos assiettes sont riches. Hein? Voilà. Maman, attendez. Là, j'ai déjà étouffé mon assiette là. Maintenant, je mets ça au micro-ondes. Même 2 minutes. Tata Doudou, bientôt je t'appellerai pour la commande car je ferai un tour sur Paris. Ah oui, avec plaisir. Oui, avec le parmesan, non. Zed là, le temps de l'heure. Aïe, tata Doudou, un teint qui ne bouge pas, un teint uniforme, partout. Voilà, j'ai déjà mis au micro-ondes, tu mets peut-être à deux, hein? Tu mets à deux, après on va aller s'asseoir, et voir comment ça va monter comme ça, hein? Tata, il y a assez, oui, moi j'aime. Pardon, envoie ma part, ça sent trop bon. J'ai dit qu'aller faire, c'est pas compliqué. Tu prends une sardine. La sardine, c'est si c'est. Il y a des sardines de 1 euro et quelques. Mais je vous conseille celle du Maroc. Celle du Maroc est la meilleure. D'accord? La sardine qui vient du Maroc, c'est la meilleure. Sauf si ça a changé, parce que c'est ça que nous on prenait avant. La sardine qui vient du Maroc. Celle-ci, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai vu ça en promo, j'ai porté. Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est connétable. Hein? Avec à l'huile d'olive. Mais prenez à l'huile tournesol. Comme il n'y avait pas tournesol, moi j'ai pris ça. Et comme c'était en promo, où? Chez... Ah, c'était même en promo où? Ah, attendez, je vais me rappeler. Mais ça vient d'où?
Ça, c'est de la Bretagne. Préparé en Bretagne. Voilà, ça, c'est de la Bretagne. Donc, ça, c'est purement français, ça. Connétable, c'est purement français. Mais celle que nous, on achète souvent, qu'on a grandi avec, c'est celle du Maroc. Pardon, mettez les cœurs. Vous qui avez mangé la sardine du Maroc, là. Le goût de ça, le tournesol, que quand tu mets seulement ça, ça dégouline comme ça. Là, quand tu charges dans le pain, ça dégouline comme ça. Tu viens de loin, on sait que tu as mangé la sardine. Parce que l'odeur de ça. Oh. L'odeur de ça. Hein? Mettez les cœurs. J'avais vu ça en promo. La marque Connétable est top. Oui, j'ai vu ça en promo. C'était en promo, les deux comme ça. Je crois que les deux étaient à entre 2,15 et 2,20. Un truc comme ça. Donc, ça veut dire que ça devait être plus cher que ça. Donc, moi, j'ai seulement pris. Ça, c'est les petits trucs qui nous aident souvent, les astuces pour avoir à la maison. Comme ça, tu es sûr que tu ne crèves pas de faim. Quand c'est chaud, tu sais comment faire avec tes enfants. Oui, la sardine du Maroc. Ah, oui, oui, oui. Ça, la sardine du Maroc, la meilleure. Celle qui était jaune, c'est celle avec le piment dedans. Celle qui est rouge, ça veut dire qu'elle est nature. Ton modèle du 8 mars est où? Non, Jeanne, je vous ai expliqué que je n'ai pas fait l'étude du 8 mars parce que j'ai trouvé que c'était trop de tracasserie. Vous voyez, non? Parce qu'il y a parfois, on est dans cette mouvance-là. Et parfois, ça ne te dit rien. Pas parce que tu ne veux pas. S'il faut acheter le pain, faire coudre le pain et venir avec ici, là. Parce que le 8 mars, tu vas venir faire la photo, pac! Et puis tu envoies sur Facebook. Juste parce que tu fais la tenue du 8 mars. Bah, j'ai déjà fait ça une fois, deux fois. Non. Non, non. Si c'était comme un vite. Ou alors si j'étais au Cameroun. Là, j'allais bien mettre ma robe en valeur. En sachant que je vais fêter. Et je vais sortir avec. Je vais aller m'amuser. Oui. Mais ici, là, tu achètes le tissu. Tu fais coudre pour porter en un seul jour. Sorti, tu ne sors pas. Invité, tu n'es pas invité. Mais ça va te servir à quoi? Ça, c'est venir faire plaisir aux gens de Facebook. À un moment donné, soyons logiques. Moi, je ne marche pas selon les gens de Facebook. Je l'ai fait une fois, deux fois, mais c'est bon. Les autres que j'ai là, deux années consécutives que j'ai eu à faire, c'est resté là, c'est là. Hein? Celle de l'année dernière, c'est ça que vous avez vu. J'ai fait la photo. Pif, maman, la beauté de ça est restée dans la maison. Hein? Et j'ai fait coudre parce que je viens vous faire plaisir. Ah non, je n'ai plus l'âge là. Vous savez, ça évolue. Hein? C'était il y a deux ans. Maintenant, cette année-ci, ce n'est plus ça. Si on m'avait invité, là, j'allais mettre mon truc en valeur. Si je sortais, en plus, ça tombe un jour de la semaine. C'était quand? Mercredi, non? Hein? C'était mercredi, non? Ou quand? Ou jeudi? Ça tombe un jour de la semaine. Un jour de la semaine et puis tu vas aller où? Et il y a l'école le lendemain. C'est pas intéressant. C'est bien pour les gens du pays. Par contre, moi j'ai aimé, j'ai vu l'ambiance des gens du pays. Hein. Ils ne se prennent pas la tête là-bas. Hein. J'ai déjà fait le 8 mars au pays, le goût de ça. Hein. Ah oui, le goût de ça. Nous, on est ici là. Le froid nous cogne. Et il a plu dans la semaine. Et c'était un jour où c'était morose. C'est-à-dire, ça ne donnait vraiment pas envie de sortir. Ça ne donnait pas envie de te mettre en beauté et tout ça là. Si c'est pour venir plaire à Facebook, ça ne me dit pas. Voilà la reine galloise qui était là où on l'a invitée. Elle au moins, elle aurait pu porter sa robe si on l'invitait que, voilà, on t'invite pour la journée de la femme et tout, tout, tout. Voilà, ça c'est un truc. Mais moi, je vais porter pour venir faire plaisir à Facebook. Jamais. La reine galloise, ça c'est bien. Félicitations, ma sistou. Félicitations, ma petite soeur. C'est très bien. Tu vois, la gloire de Dieu ne se cache jamais. Tu comprends? C'est pour ça que je t'ai dit que vas-y, amuse-toi. Peu importe comment on va te recevoir là-bas. Du moment qu'on t'a déjà appelé, le moment qu'on t'a déjà remarqué, c'est le plus important. Parce que quand tu es là, tu vis. Tu as une vie comme tu es chez toi. Le quotidien, le fait qu'on te sorte de ton quotidien, ça c'est très important. Parce que toi, tes moyens maintenant, comme tu es parti dans la dévotion dans l'humanitaire, n'est-ce pas? De voir ton prochain, d'aider ton prochain, comme tu es parti dans cette dévotion,
cette vocation qui t'a interpellé, que le Seigneur t'a interpellé, tu es déjà à fond dedans. Donc, ce qui fait que toi, maintenant, tout ce que tu as, tout ce que tu peux avoir, tu mets seulement ça sur ton prochain. Mais il faut savoir que toi aussi, tu es là. Il y a des gens qui sont là, qui voient, qui se disent que voilà quelqu'un qu'on peut aussi aider d'une autre manière. Donc, le fait qu'on te sorte de ton cocon habituel là, comme on l'a fait là, c'était magnifique. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Regarde les grâces avec lesquelles tu es rentré. Regarde les grâces avec lesquelles tu es rentré. On t'a mis en valeur. Et c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, ne regarde plus les gens qui veulent te nuire. Les gens qui veulent te mettre à terre. Ne regarde plus ça. Toi, on te fait avancer. Toi, tu vas encore reculer. Hein? Ne regarde plus ces gens. Maintenant, les témoignages sont là. Le fait de te mettre en valeur, c'est ça que ça veut dire, que voilà les résultats que le bon Dieu a voulu te montrer. Donc, ne t'attarde plus sur les gens qui te tirent par la queue encore derrière, que viens rester ici derrière, viens rester. Alors qu'il y a des gens qui sont là, qui voient le travail que tu fais. Et c'est très bien. Et là, tu as dit que tu allais injecter ça encore pour renforcer là-bas de l'autre côté. Bravo! Et ce n'est pas fini. Tu vas voir, Dieu va encore te rajouter sur ça. Dieu va encore te rajouter sur ça. Tout ce que tu es en train de traverser là, on appelle ça des obstacles. Et Dieu, lui, te donne la force. Il te donne le courage, l'énergie. Maman, tu as une force spirituelle en toi qui est que personne ne peut atteindre ça. On voit seulement la coque là. Mais ta force spirituelle que tu as, Dieu t'a déjà élevé à un niveau où les gens qui viennent te tirer par la queue là, c'est des petites personnes. Donc ne t'attarde plus sur ça. Moi, j'ai fait les pâtes. Tu es déjà rentré? Seigneur Jésus. Tu es déjà rentré la galloise? Maman. Hein, la galloise, tu es déjà rentré? D'abord, chez toi, ce n'est même pas loin. Allez, allons manger. Ben oui, tu as les gens qui te soutiennent déjà. Avoir quelqu'un comme Tania Maud, c'est ça, non? Hein? Comment tu l'appelles, Tania Maud? Tu as mon frère là encore, lui aussi de son côté. Les gens t'aident comme ils peuvent, ma chérie. Ne regarde plus ça. Tu viens, tu pars de là où tu es parti, de Cardiff là-bas. Tu arrives ici, à Paris. Tu rentres avec une somme comme celle-là. Dis merci à Dieu, ne t'occupe plus des gens. Ne t'occupe plus de ceux qui veulent te ramener derrière là. Qui veulent... Comment? Combien sont ceux-là qui voyagent comme ça là? Et qui rentrent sans rien, élan, élan. On a souvent vu d'autres qui nous ont menti ici là. Mais si tu rentres avec quelque chose et tout, ma chérie, contente-toi de ça. Ne t'occupe plus des gens derrière là. Et mon Nyanga se voit bien ici. Maman, je vais encore bien doser les photos là. Attendez, je ferme. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Quand tu as fini de manger. Voilà. Observez-moi. Tu as fini de manger ma bonne petite... Préparer ma bonne petite nourriture. Il ne reste plus que le parmesan. Et si ton père était là, c'est lui qui aime les nourritures comme ça avec les pâtes. Quoi? Quoi? Tu veux? Maman, les cheveux dépendent. Le goût de sang. Merci Seigneur. Merci pour ce repas. Deux dans ceux qui n'en ont pas. Maman, tellement c'est bon, je bave. Je ne fais pas exprès. On ne fait pas semblant avec ce qui est bon. Hein. Merci beaucoup, ma fille. Vous êtes de l'or. Regarde le temps. Le temps parle seul, sans effort. Ça parle seul depuis là, je dis. Je n'ai pas de problème de quinto, machin. Tiens, viens chercher. Mets-toi de ce côté, parce que c'est plus facile. Pourquoi les enfants aiment toujours venir manger dans l'assiette de leur maman? Tu veux pas que je te serve, toi? Non, c'est plus rapide.
Trop bon. Vraiment le fromage, ça. En qualité, je ne mets plus le piment. C'est la sardine. Ah, c'est la sardine. Merci, ma galeuse. Qui a fait ce goût. Merci, ma chérie. C'est la sardine qui a fait ce goût-là. C'est de Vanessa Pond. Les mèches. Vanessa Pond. Allez commander chez elle. C'est la qualité du cheveu. Pas le bébé. La qualité du cheveu, comme tu confies. Le goût de ça. Et je n'ai même pas encore coiffé comme il fallait. Moi j'aime bien que quand il y a beaucoup beaucoup de fromage. C'est ton assiette. Hein? C'est ton assiette. Où tu viens aimer quand il y a beaucoup de fromage, c'est pour toi. Ça vous va à merveille. Merci. Merci. Le temps. Moi, je ne mets pas les filtres. Je ne mets pas les filtres. Ça, c'est mon nyanga que j'ai fait. Pardon. Ne riez pas trop. C'est moi, pas de nyanga ici, là. Ne riez pas trop. Je ne sais pas mettre les make-up et machin et tout. Moi, quand je me dis à mon rouge à lèvres, j'ai mes fards et tout. Les cils, je ne sais pas mettre. Donc, quand je mets souvent les cils, c'est ma fille qui me met ça parce qu'elle, c'est sa spécialité. Tout ce temps que je perds, même si là, j'aurais même pu mettre les ongles. Qui peut même mettre les ongles? Qui fait les ongles? Je viens. Parce que quand je n'ai pas les grosses commandes, moi, je vais commencer au mois de mai. Ma saison commence au mois de mai. Au mois d'avril. Au mois prochain. Donc, j'ai encore un mois. Ma saison commence au mois de mai. De quoi? Au mois d'avril, c'est une petite commande. Mais le mois de mai, c'est parfait. Donc, j'ai encore 2 mois pour faire mes ongles. Je suis au retour de Lourdes. Ma saison commence au retour de Lourdes. Donc, toutes les personnes qui ont eu à me solliciter, je les amène à Lourdes, que la Vierge Marie bénisse leur union, bénisse leur couple avec les enfants, et que je puisse faire une bonne nourriture, une bonne prestation à leur mariage. Tous ceux qui m'ont confié leur mariage là. Déjà, même pendant le carême, si j'ai fait, ils sont dedans, dans mes prières. Que le Seigneur bénisse leur union, bénisse leur couple, leurs enfants. Tous ceux qui vont venir fêter tous les prestataires qui viendront. Que tout se passe bien et que leurs convives rentrent bien aussi. Nicolas n'en peut plus, il a parti chercher la fourchette. C'est quoi? C'est quoi? C'est plus rapide, non? Quoi? Au moins, c'est servi à volonté. Ah bon? Je t'ai demandé si tu veux dans ton assiette. Tu te sers toi-même. Tata, tu as des beaux ongles naturels, c'est vrai. Mais j'aime bien souvent aussi avoir quelquefois. Bah oui, mais attends, tu prends tout ça. Comme si tu discutais. Prends un peu. C'est pas beaucoup. Mais comment ça, c'est pas beaucoup? Bah regarde. Regarde. Ah ouais, ok. Ah bah attends. Mais ça va te brûler parce que c'est encore chaud. Ok, les enfants, ils ça discutent. Prend? Non, c'est trop chaud. Bon, c'est pour ça que je prends un peu. Tout ça parce que tu veux prendre le fromage. C'est le fromage qui t'anime là. Non. Fais attention alors, sinon tu vas te brûler. Merci mes ongles. Là, j'ai laissé un peu que ça pousse, mais j'ai pas envie de mettre de vernis parce que à chaque fois quand je mets du vernis, ça les
il faut que je mette un vernis permanent. Vernis permanent, ça veut dire que même si j'utilise, je mets ça dans l'eau, ça ne part pas. Comme le teint que j'ai là, avec les produits cosmétiques de Z de l'or que j'utilise. Où est-ce que... Ça, ça doit être tes amis, ça. Il est à 14h. Nicolas fait comme s'il discute. Non, c'est trop bon. Avec le gruyère. Vous qui n'avez pas de gruyère là, achetez. Vous allez venir confirmer ce que vous dites là. Maman, mon teint déjà. Le teint uniforme partout, partout. Partout. Hey! Z de l'or. Pardon, mettez les cœurs. C'est quoi? Mettez-moi les cœurs. Pourquoi vous êtes comme ça là? Le dimanche, je me mets souvent aussi un peu belle, genre, pour éviter que vous voyez mes grosses fesses, ma grosse bouche et tout ça là, mon gros ventre et tout. Donc quand je viens aussi comme ça là, tout, mettez-moi les cœurs, c'est comment? Oui. C'est mon ami. Mais t'as pas fini de manger? Oui. Fais-toi souvent respecter. Tu dis que pour l'instant, tu n'es pas encore disponible, mais tu arrives. C'est comme ça. Eh ben, si ton ami vient sonner, il doit te lever de table. Tu es à table. Wanda, et ça se fait? Non. Ton ami, lui, il a fini de faire ce qu'il a fait chez lui. Maintenant, comme il vient sonner chez toi, hé, mon ami, il faut que tu te lèves, tu pars. Toi, si tu n'as pas encore fini de faire ce que tu as fait. Voilà, c'est comme ça. Il va apprendre avec ses habitudes-là. Bah oui, pas envie d'apprendre à se lever comme ça. Hein. Même vous-même, vous ne vous levez pas souvent comme ça parce que quelqu'un a appelé. Que Non, j'ai dit. T'as pas fini de manger, va tes habits de sortie là-bas. C'est ça. Hé, et... t'as pas fini de manger. Ok. Ok, oh, c'est bon. J'ai pas pris beaucoup là. C'est pas beaucoup. Tu veux nous monter tes muscles? Il ne veut pas se coiffer. Nicolas refuse que je le coiffe, mes gens. Non, 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 je refuse pas. Juste, je dis juste. Je veux que tu me fasses les nattes. En plus, tu sais les faire. Et moi aussi, je ne veux pas lui faire les nattes. Elle ne veut pas, mais moi, je veux. C'est mon corps. Je fais ce que je veux avec mon corps. Pour l'instant, tu n'as pas encore l'âge de faire ce que tu veux avec ton corps. C'est moi qui décide. Tu vas faire ce que tu veux avec ton corps quand tu auras 18 ans. Tu comprends? Oui, je sais. Je suis encore majeur. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas comme tu veux. C'est comme maman, elle veut. Donc, on va tout couper. Mais j'ai 10 ans. Oui. Enfin, bientôt, j'ai 8 ans et demi. Il faut faire les coiffures de ton âge. Les coiffures de ton âge, c'est qu'on va te faire un beau dégradé. On coupe comme ça ici, là. On coupe là. Si tu veux, on laisse. Mais on égalise bien. Comme à chaque fois, je te le dis, on égalise bien. Mais on laisse la touffe qui est ici, là, devant. Parce qu'il a déjà les cheveux. Les cheveux sont à l'intérieur, mes gens. Donc, même quand je lui fais même le shampoing, il pleure. Tellement il a mal. Tu cries pas? Si, je crie, mais je pleure pas. Je pleure pas. La qualité, là, on fait comment? Il ne veut pas. Il veut les tresses. Il y a des moules. Il y a une moule. Il n'y a pas de moule. C'est quoi, ça? C'est la sardine. Où tu as vu les moules, là? J'aime pas les moules. Il y a les moules, il y a des moules. C'est bon, c'est bon. Tiens. Je croyais que tu allais me laisser. Jusqu'à la dernière
Ah, la dernière pâte, vas-y. Je me suis là. Bon. Carrément, maman, tellement j'ai la force. Tu vois, moi et mon pote, en fait, mon pote, mon il a pote plus de force. Moi. Hein? Mon pote et moi. Mon pote et moi. Et ben lui, il a plus de force que moi. Tu vois? Moi, je suis le deuxième qui a le plus de force dans ma classe. Tu vois? Et du coup. Ton pote, il est dans ta classe aussi? Ouais. Et du coup. Et toi, la bouche. Et ben tu vois, quand il y a une alarme, par exemple, quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'école, et ben nous, notre classe, on a un meuble. Tiens. T'as entendu Françoise Patricia, qu'est-ce qu'elle dit? Nicolas, tu es un garçon. Tu es un garçon, les traits c'est pour les filles. C'est pas pour les filles. Il n'y a pas que pour les filles aussi. En fait, parce qu'il a, son idole. C'est qui ton idole? Kylian Mbappé. Et tu as vu mettre les traits sur la tête. Oui. Tu as déjà vu Kylian Mbappé mettre les traits sur la tête. Les gens, écrivez ici là. Est-ce que Kylian Mbappé a les traits sur la tête? Non, mais attends, écoute. Moi, mon idole dans les films... Et bah lui, quand il était plus petit, il devait avoir 11-12 ans, il était déjà dans des films. Mon idole de film, c'est Michael B. Jordan. Il devrait le connaître, logiquement. Oui. Parce que c'est une vraie star. Et quand il avait 11 ans... Parce qu'il est faux star. Hein? Qui est une fausse star? Non. Parce que comme tu dis, c'est une vraie star et qui est une fausse star? Non mais, il est vraiment connu quand je dis ça. Vous le connaissez? Qui? C'est celui, c'est celui qui joue dans Creed. C'est le film que je t'ai montré la dernière fois de boxe. Ouais. Mais t'as pas regardé. Ok. Et bah c'est lui. Et lui, quand il avait 10-11 ans, et alors? Bah il était déjà dans des films et lui il avait des nattes. Il avait des nattes? Mais ces nattes ils étaient pires. Moi je veux pas les nattes comme ça. En fait lui il a des nattes ou en fait regarde. Par derrière, regarde, derrière ça fait comme ça. Mais moi je veux juste que ça s'arrête à là. Ou là même. Les grosses nattes. Tout le monde dit que pardon, laisse-nous ça. Nicolas, pardon, laisse-nous ça. Voilà. Personne n'est d'accord avec toi. Hein? Non, il n'a pas les traits sur la tête. Voilà, Kylian a des cheveux bien coupés, propres. Ah! Et en plus, il le ressemble un peu. Je lui dis souvent ça, que quand si on coupe un peu comme lui, il est là, il aura un... Il est très beau quand il a les cheveux coupés. Très beau. Mettez les cœurs. Si Nicolas, quand... La coupe, quand, en plus, que j'ai envie de lui faire. Ha! C'est-à-dire que comme ses cheveux ont poussé, que c'est touffu. Hein? Tu n'as pas de goût. Il dit que je n'ai pas de goût. Les enfants, ils sont même sérieux. Bon, avant de partir chez ton copain, n'est-ce pas? Lave-moi alors. Je vais aller dehors. Oui, mais tu vas pas chez ton copain, mais avant d'aller voir ton copain, alors, pardon, lave-moi alors la poire, s'il te plaît. Lave-moi une poire. En dehors de toi, tu as fini tes fraises. En dehors de la poire, il n'y a pas autre chose qu'on fouille. Non, lave seulement la poire, parce qu'après, c'est quoi? Ah, l'orange, il y a aussi les oranges. Il y a aussi la mangue. Non, je veux pas la mangue, c'est le soir. La poire? Oui. Une poire avec deux oranges. Les oranges sont dans le casier du frigo en bas. Parce que là, il est 14h. Et puis quoi? Non, c'est juste pour te dire. Le couteau. Avec le bout noir, alors, s'il te plaît. Avec les oranges. Deux oranges en bas. Voilà ton père qui essaie d'appeler ton père. Voilà, on est en train de dire ici que maman a raison. Il faut voir le coiffeur. Maman n'a pas de goût. Toi, tu n'es pas dans le film. Coiffe-toi comme un garçon. Tu seras encore plus mignon. Voilà. Voilà. Mais déjà, c'est... Mais Nicolas, déjà... les dégradés tireront bien. Tiens. Bah oui, comme ça, coupé. Attends, on appelle ton père. Je vais lui dire là tout à l'heure avant qu'il n'appelle ici. Mais toi, c'est dégradé. Ils sont moches. Tu... Aïe. Tu fais que des dégradés zèbres. Tu racontes n'importe quoi, voilà, tu t'es fait mal. Mais tu fais que des dégradés avec un Z, je sais pas moi.
Pas mon... forcément avec le Z. Si tu veux, si tu veux, on le met. Mon prénom, c'est pas Zacharia, c'est pas Zizigo, c'est pas Zou, c'est pas Zo. Oui. Mon prénom, c'est Nicolas, donc avec un N. Voilà, donc si tu veux, on peut donc faire un dégradé et après, on te fait un N, soit un N majuscule, soit un N en minuscule. On écrit comme ça là. Oh, minuscule. Non, le genre qu'on écrit comme ça là, comme ça là. Oui, tu sais pas ça? Comment on appelle encore l'écriture là, comment? Hein? Le genre, tu sais pas comment on écrit comme ça là? Regarde le N. Le N, comment on écrit ça? Attention, ne me bouge pas. Hein? Non, j'ai mal fait. Ah c'est en majuscule. Voilà. Tu vois? Donc c'est en majuscule. Comme ça. Bah, c'est en majuscule quoi. On lui fait ça, s'il veut. Mais c'est en majuscule. En italique. En italique. Voilà. Donc tu connais. Tu vois. Lorsque t'es coiffé, t'es plus beau. Ah. Merci. Mais tu crois que c'est pas une coiffure, ça? Non. Ça c'est... Attends. Tu as vu que la grimace, comment tu... Mettez-lui les cœurs. Non, décoiffe pas, maman. Va me chercher les oranges, s'il te plaît. Deux. Après, tu vas t'habiller pour partir voir ton ami. Ça, c'est pas facile. J'essaie de le convaincre là. Je vous dis, mes gens, c'est pas facile du tout. C'est tout en bas, dans le casier en bas. S'il te plaît, je te dis. Hein? N'oubliez pas le grand rendez-vous tout à l'heure chez Monsieur Messan. Pousse-toi, dégage, j'ai pas de coin, c'est les microbes qui vont t'allumer. Quoi? Non, y a rien. C'est une chanson, ça? Oui. Enfin, c'est que le refrain. Ah, voilà! Là? Non. Quoi? Non, rien. Oh, Madame Pantala. Maman, tu l'as mis où? Ah, là. Non, rien. Madame Pan est là. Mettez les cœurs. À Madame Pan. Allez vous abonner sur sa page. Je suis sa nouvelle ambassadrice désormais. On va faire le ralenti. Parce qu'il ne faut pas que mon cou cale. Attendez. Mettez les cœurs, Madame Pan. Mettez les cœurs, Madame Pan. Comment tu vas, Madame Pan? Maman, je change. De quoi? Non, je ne peux pas. Non. Fais juste l'autre. Mais je l'ai déjà fait. Quand? Avant qu'on parte, je l'ai fait. Ça, c'est mon meilleur moment. Quand j'ai fini de manger comme ça, là, j'ai mon petit fruit après. Je vous dis pas, mes gens. Le goût de ça. Aussi en haut. C'est mon meilleur moment. Là. Un petit fruit derrière. La poire comme ça. Là. Bien sûr. Mettez les cœurs, Madame Pan. Merci beaucoup. Merci, mes gens. Allez vous abonner sur sa page. Parce que je suis sa nouvelle ambassadrice maintenant. Je représente. Les cheveux qui obéissent. Elle dit va à gauche, pas ta gauche. Va à droite, pas ta droite. Reste là, ne bouge plus. Ne bouge plus. Au goût de ça. Trop bien. Le mien, il ne voulait pas. Lorsqu'il voulait, quand le cougar, il passait pas dans le casque. Donc, rapidement, chez le coiffeur. Désolé. Ça reste comme ça parce que c'est la guerre.
Elle dit que j'ai déjà mal mauvais. J'ai déjà mal mauvais. Pardon. Les cœurs de ça. Je suis belle là jusqu'à. On m'a donné 40 ans. 35 ans. 25 ans. Alors que j'aurais mes 48 ans. Là pour moi, là t'as 30, 38, 39. 38, 39 pour moi. Oh, merci mon cœur. T'es gentil. Comme ça. J'aurais mes 48 ans. Au mois de. Le mois d'avril, le mois prochain, le 19 avril, 48 ans, mes gens. 48 ans. Vous voyez ça? La beauté de ça. C'est-à-dire que quand elle va atteindre mes 50 ans, je serai le genre, conversement, on a envie de prendre le miel. On le lèche seulement, je serai comme le miel. Sucré la magie. C'est vrai que la femme, il faut s'entretenir. Regardez mon temps. Maman, le temps de ça. Voilà. C'est-à-dire que... Bah, c'est comment vous enlève le pâte pas. Je remets le même t-shirt. Toi, c'est le 18 avril. Hein? Moi, je suis née le 8 août. Moi, c'est le 19 avril. De quoi? Et peut-être, elle, c'est le 13. Elle, Pépette, c'est le 13. Moi, je suis le 8 août. N'enlève pas ton sous-vêtement, là. Le goût de ça. Tu abuses, maman, là. Oui, je suis encore toute jeune, n'est-ce pas, Oumu Kéri? Tu ne dis à personne, non, ça. Ça reste entre nous. Ouais. Tout ce que vous mangez, les enfants mangent. À 50 ans, par exemple, Sunga doit être redouté. En fait, c'est lui qui me garde bien. Quand tu vois une belle femme, à cet âge, comme ça, là, comme je suis là, bien entretenue, c'est son mari qui garde bien, non? Tiens. Pas grave. Tiens. Merci. On coupe encore. Pas grave. Comme ça, les petits bouts, comme ça, on n'a pas l'orange partout dans la bouche. Voilà. Mmh. 48 ans. Mais maman, là, tu prends du temps là pour manger. Tu me dis direct dans ta bouche et tu fais... Mais non, j'ai mon rouge à lèvres et tout ça. Faut que je reste quand même en beauté. Parce qu'après, je vais appeler ton père. Faut que je lui montre comment je suis belle. Il appelle jamais en FaceTime. Il n'y a que moi qui l'appelle en FaceTime, Pépette. Bah alors si je l'appelle alors pour une fois aujourd'hui. En FaceTime. Pour lui montrer comment je suis belle. Ça fait quoi? En FaceTime. Ben oui. Tu vas l'appeler. Oui. Oh, c'est beau là. Ça, je vais aller voir. Soit c'est ta soeur. Soit c'est ton ses amis là. Ouais, comment les enfants sont. Je dis que je l'appelle jamais à FaceTime. Si c'est FaceTime, si c'est quoi là. C'est lui qui l'appelle souvent comme ça. Donc quand il appelle comme ça, lui, il ne me voit pas. Les enfants, hein, Congo, ça jusqu'à. Quand on dit que la vérité ne sort que dans la bouche des enfants. Il veut que je ramène mon ballon, mais mon ballon. Ne viens pas raconter les mensonges devant un enfant. Hein. Il va te sortir de corriger là où tu t'attends le moins. Désolé. Oui. Comme il y a une petite fille aujourd'hui, hein? Là où j'étais assise, le prêtre est en train de dire là-bas que j'ai dit quelque chose en disant que il a dit quelque chose. De quoi? Le prêtre?
Il a en quoi? Il a dit quoi? Oh, il a dit quelque chose. En enfant pour les enfants ou du quoi? Non, comme on dit souvent que soyons unis, si c'est soyons. Ah, soyons réunis. Oui, la petite fille, elle a dit le contraire de ce que le prêtre disait. Ah ouais, c'est vrai. Elle a dit le contraire. J'ai regardé comme ça, j'ai dit que okay, ça m'a rappelé. Ça dit, ça fait comme mon mari quand je pars souvent à la messe avec lui. Hmm? Quand le père fait l'évangile là, qui prêche maintenant l'évangile, maman, pas Missouga dit souvent, ça dit qu'il se querelle avec le père là où on est assis. Hein. Il se querelle avec lui. Hein. C'est que le prêtre dit que non, les juifs, c'était pas comme ça. Hein. Dis donc, vous racontez n'importe quoi. Je dis, qui on va t'écouter, tu es obligé. Est-ce que tu es obligé de venir m'accompagner? On dit que ce sont les juifs qui ont tué Jésus, il dit que niet. C'est faux ça, c'est des histoires. Il parlait là. Ben dis donc, c'est n'importe quoi ça. Que... Pas Missouga. Ouais. La petite fille qui était assise à côté de moi, elle a carrément dit que non. Ah ben non, moi je suis pas là. Hein. Ah, c'est pas Missouga qui appelle déjà. Allô? Allô? Oui, chérie. Ça va? Ça va et toi? Ça va, je te dérange pas. Ouais, je disais qu'elle veut t'appeler, j'ai fini au direct. Comme tu as appelé sur le téléphone, tu vas déjà, Nicolas? Ah ouais. Non, parce que j'ai appelé sur les deux, mais comme ça répond. Dépêche-toi parce que là, tu vas craquer la porte. Oh. Bah oui, et marche sur les papiers. Non, non. Tu as lavé tes mains. À la volée, laver, ferme d'abord la porte là. Ça qui fait le courant d'air. Parce qu'en fait, le ballon il était mouillé, donc je l'ai direct sorti. J'avais pas le mettre là. Il était mouillé. Ah, ben lave tes mains. Bon, bah, ok, à tout à l'heure. Je te rappelle tout à l'heure, chérie. C'est fini. Connexion Congo ça. Voilà, ça c'est les papiers que je vais amener. Je vais amener ça demain. Demain lundi là. Bon voilà. Je mets mon manteau et je vais. Ouais. Ah, s'il fait froid, hein? Ça ne rigole pas. Ouais. Le petit vent là, il y a plein de maladies dedans. Du coup, bon, je vais. Mm-hmm. Tu fais attention. Ouais. Au goût de ça. Coucou, Sabouan, ça va? Hein? Non, chérie. Mmh. 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 Merci aux gens qui ont passé à me mettre les étoiles. N'oubliez pas le grand rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure, chez Monsieur Messam. Le grand frère. Mmh. La technique sera sur place. Il nous a invité, nous, ses petites soeurs. PDG canadienne. J'ai vu sur son truc là. Flyer. PDG canadienne. Et l'étoile caribienne. Quand tu manges, non. Ça a un vieux goût. Tu me donnes envie de sucer les oranges. Maman, il faut sucer les oranges. Hey! Les vraies oranges, hein? Comme ma passe. Pas les oranges qu'on met là. Et... Le goût de ça. Maman, c'est comme ça que je suce mon pas d'oranges. Les oranges, fior. Voilà, je prends ma vitamine.
Je suis tranquille. Le dimanche, on ne fait pas le carême. On ne jeûne pas le dimanche. Voilà. On ne jeûne pas le dimanche parce que... Faut que j'appelle le numéro là. Faut que j'appelle ça. Il y a un petit rendez-vous là. Je vais aller m'occuper de ça. Dès que ça commence, tu partages, je dirais. Oui, je vais partager. Je vais partager. Mais allez vous abonner sur la page de Madame Pan. Ah, c'est ma fille qui est rentrée. Ah! Ça va, chérie? Oui, toi? Ouais. Il y a Willy qui va venir cet après-midi, peut-être. Qui? Willy. William? Oui. Bon appétit. Merci. Je nous ai fait la meilleure recette de tous les temps. Avec le gruyère. Hein? Ça fait de la sauce gombo. Il y a du poulet à l'intérieur ou c'est du poisson? À sardine. Oh, ça fait des pâtes à la sardine, hein? Ça a 18 heures. À partir de 18 heures. Sers-toi ça et puis tu rajoutes le gruyère dessus, tu vas me dire. Et il a fait mon plein de calories. C'est ça que vous voulez voir. Oui. Ça se voit pas alors. Donc tout mon yaga que j'ai fait là, ça se voit pas. Hé, hey, maman en face. Si. Du jour, c'était que soyons comme la bonne samaritaine qui a rencontré Jésus. Ouais. Je te cache pas, dans ma vie, j'en ai marre de faire la bonne samaritaine. Ça marche jamais de faire la bonne samaritaine. Eh, hey, ma fille, le direct de mes sasakels. Ils sont bien gentils, mais leur fille, elle est fatiguée là, de faire la bonne samaritaine. Il y a déjà beaucoup de courriers. Hein. Ouais, faut qu'on les range. Mais bon. Non, mais comme ça, on voit ce qu'il y a. Ça, c'est déjà ça. Ça part pour être payé. Ça en bas. Il faut que j'aille envoyer ça à la sécu. Ben, ça, tu vas. C'est mieux d'aller le déposer. Hein. Parce que si tu le déposes ici, là en bas, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Oui, donc je vais aller déposer alors directement à Melun. C'est à Melun. À Melun parce que. Non, non, Oumé, c'est déjà fermé. On était là-bas. C'est fermé déjà. T'es mignonne, hein? Oui, Vanessa Pande. Je suis maintenant la nouvelle. Je fais partie des égéries de Vanessa Pande. D'accord? Donc, maintenant, mes gens, je vous ai dit, allez vous abonner sur sa page. Vous allez voir des merveilles. Quand je vous parle que le cheveu, c'est vraiment la qualité. Regardez. C'est la qualité du cheveu. C'est-à-dire que tu vois ça comme ça, tu as le goût. C'est là, c'est positionné. Quand tu parles au cheveu, il obéit. Hein? Tu lui dis comme ça là, il reste là. Tu fais ça. Tu dis, tu ne bouges plus. Il reste là, il ne bouge plus. Quand tu le fais comme ça, ma puce, j'ai fait des petites vidéos. Tu peux me faire ça au ralenti. Ah oui, tous les moyens sont bons. Tu me fais ça au ralenti parce que ça donne bien. Ou bien je vais envoyer à Madame Pan. Tata, j'aime ta complicité avec tes enfants. C'est trop mignon, que Dieu vous protège. Amen. Amen. Il faut cultiver ça. Hein. Vous savez, c'est pas facile hein, tous les jours. Hein. C'est pas facile tous les jours. Bon, mes gens, le temps de me reposer. Le temps de faire mon chapelet à 15h30. Je vous dis à plus tard. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir... comment s'appelle la page pour le...
Pour les cheveux. La attends. Attends. La page pour les cheveux. C'est pas Vanessa Pente. C'est. Attends. Vanessa, voilà. Vanessa Indian Air. Vanessa Pente Indian. Indian Air. Vanessa Pente, collé. Indian Air. Vous m'aimez pas dans cette famille. Hein. Pourquoi? Vous aimez seulement quand je suis active tout le temps. Vanessa Pan Indian Air. D'accord? Allez vous abonner sur sa page. On va bosser ensemble. Vous allez voir les merveilles. Oui, je vais me reposer. Comme ça, je reviens. Je serai encore bien pouponné, bien, bien. Comme pas. Ma fille est déjà là, comme ça elle va pouvoir me pouponner encore bien là pour 18 h, que je sois quand même. Voilà, j'arrive là et puis waouh! D'accord, mes gens? Bon, je vous fais des gros bisous, vraiment. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous accorde sa grâce tous les jours. Passez une très bonne semaine et puis de toutes les façons, ce n'est pas encore la bonne semaine que je vous souhaite. Je vous attends très nombreux ce soir à 18 h. Je ne discute pas avec vous. Je vais venir vous harceler dans vos inbox, dans les messengers, dans les gazap. Je vais venir vous harceler. C'est que vous devez seulement venir. Quand ma Missunga est quelque part, vous-même Missunga, vous devez seulement sauf que courir. Il faut seulement sauf que venir. Là où je dis, va. Vous aussi, vous va, vous, hein? Vous va, vous va, vous viens avec moi. Le français de ça. Vous aussi, vous viens avec moi. Quand je dis va, vous viens aussi avec moi. D'accord? When I'm say go, we go go. When I'm say go, we go go. We go to Z de l'or, go go. I go to Z de l'or. You go go. Oh ma rose, ça va ma chérie? Bon dimanche à toi. When I go to Z de l'or. You go go. When I go to Vanessa Pan. You go go. When I go to ma fille de Glam Steel. For Abby, hein, pour les vêtements et tout. You go go. When I go to le couple Messang. You go go. You go, 18 h. Hein? When I go to qui encore? Quelle est une de mes filles là? Attendez, mes gens. Je suis en train de faire le carême. Je vais vous dire quelque chose d'important, s'il vous plaît. J'ai ça ici avec moi. Parce que je fais le carême. Et il faut que je fasse la publicité de ma fille. Je ne peux pas faire la publicité de ma fille là parce que je suis en train de faire le carême. Donc, quand tu fais déjà une publicité de ce genre, c'est-à-dire pour les brûle-graisse là, d'accord? Il faut avoir un régime alimentaire qui suit aussi avec les brûle-graisse. Moi, je fais toute une journée sans manger jusqu'à 18 h. Donc, j'aimerais offrir ça à la personne qui veut. Parce que moi, je fais souvent que, quand, avant de faire la publicité de quelqu'un, vous avez vu, comme pour Vanessa, non? Voilà ça que vous voyez sur ma tête, non? Vous avez vu Z de l'or, non? Tous les jours, je vous chante que c'est ça que j'utilise. J'utilise les produits de Z de l'or pour mon teint. Tout ce que Z de l'or a, qu'elle propose là-bas, c'est ça que j'utilise pour mon teint. Que ce soit pour le visage, que ce soit pour le corps. Donc, c'est la même chose aussi pour les cheveux. Comme je vous dis que je suis dedans, je fais partie de ces égéries. Vanessa Pan. Donc, vous allez souvent me voir les cheveux. Chaque perruque que vous allez souvent apprécier et tout ça là, sachez que ça vient de chez elle. D'accord? Bon, maintenant, attendez, je fais un petit balayage comme ça là. Voilà. Parce que parfois, quand c'est un peu genre fofolle et tout ça là, avec un genre de petit balayage, parfois ça donne. Hein. Attendez un peu. Oui. Ça fait un peu un genre. Parce qu'il y a les imperfections là qu'il faut cacher un peu.
Et puis, enfin, quand les gens, c'est là comme ça, là. Oh! Je suis la femme du blanc. Samboam. Samboam, la femme du blanc. Amikani. Obofani, maman. Voilà. Voilà. Parce que c'est toi qui arrange encore un genre pour que... Regardez comment le cheveu obéit. Quand je lui dis que go, le cheveu il go go. Look at this. Le cheveu il go go. Hein? Il se parle tout seul. Look at, look at. Look at, aïe, maman, comment on fait souvent? Ouh, aïe, 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 regardez, regardez. Ouh, regardez l'épaisseur vous-même. Vous-même, vous-même. Hein? Hein? Regardez vous-même. Massa. Eh, les gens des publicités là, comment ils font même souvent? Hein? Ils font souvent comment? Eh, ma part, c'est limite ici. Hein? Oh, yo, yo. Oui, go, go. Hein? Put the hearse. Put the hearse, put the hearse, put the hearse. Hey! Maman Sunga, la femme du blanc. La femme du blanc, oh. Oui, parce que la femme du blanc, elle doit faire un peu un genre, fofolle un peu un genre là. Vous voyez un peu? Elle fait comme si elle était un peu. Voilà. Voilà. Madame Pan, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, c'est ça. Quand vous partez chez ma fille qui est à Bruxelles, ma fille qui est à Bruxelles, là, de glam style, dans les vêtements aussi. D'accord? Oui, gogo aussi chez elle. Tu es bien en mini. Elle va envoyer toutes les coupes. Vous inquiétez pas. Oui, le cheveu igogo. Regardez, seul, le cheveu igogo. Igogo. Ça, c'est la petite imperfection, ce qu'il veut couper parce que il veut pas gogo, un genre. Il veut seulement. Il veut. Il même pas go. Il veut seulement. Donc, on va l'éduquer un peu là. Voilà. Regardez, regardez vous-même. Regardez, regardez la qualité du cheveu. Regardez. Même si tu froisses ça comment. Le cheveu obéit. Le cheveu il gogo. Donc c'est ça que je veux pour vous aussi, mes gens. Donc il faut gogo à 18h. 18h chez monsieur et madame Messa. D'accord? Mais c'est son mari qui va tenir les rênes parce que c'est lui. On va passer un très bon moment avec lui. Je suis sûr qu'on va bien se marrer, voir bien rigoler. Parce que ça va être un plateau où on sera là pour faire l'ambiance. Hein? C'est la journée de la femme qui continue toujours. C'est le mois de la femme qui continue. Donc, on va parler entre nous les femmes. Et on aura le mal qui sera là. Qui va nous poser des questions. Et on va essayer aussi, en retour, hein? De le faire comprendre que voilà, la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est celle-là qui s'impose. Tout en gardant le respect avec son mari, avec tous les gens qui sont tout autour. La femme, c'est celle-là que, oui, elle tient les rênes. Pas égalité des sexes, mais égalité de... Ça va un peu, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font le boulot des hommes. Hein? Ah oui, il y a des femmes qui font le boulot des hommes. Hein? Regardez par exemple dans la cuisine. On sait que la cuisine, c'est pour la femme. Mais il y a les hommes qui sont là dedans aussi. Eux aussi discutent de la place de la cuisine. On va faire comment? Donc on est partout. Nous tous on fait la même chose comme eux. Mais sauf qu'on ne peut pas porter le bangala, il faut le dire. On ne peut pas porter le bangala. Donc c'est là où il faut avoir des limites. On ne peut pas avoir la masse musculaire comme les hommes. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des femmes qui tapent les hommes. Mais... L'homme a toujours un dernier mot à dire. Il tape là où la femme aussi a mal quelque part. Vous voyez, non? À vrai dire, tata, quand tu tailles les cheveux là, cela te va très bien, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Oui, tu sais, faut que tu fais un peu genre fofolle, fofolle un peu là et tout ça là. Attendez, quand je vais me mettre, le truc là, comment on appelle? Ma fille va me faire le brushing là. Parce qu'elle sait souvent tirer là les appareils et tout ça. Moi, je ne sais pas utiliser mes jambes. Vous savez, quand je viens d'arriver ici en France, hein, vraiment, j'ai fait ça. La première, j'étais dans la coiffure. Quand moi, je suis arrivée, je travaille dans un salon de coiffure. J'ai une maman dans le 14e. Elle vit toujours. J'ai même rêvé d'elle, bizarrement. Hein. J'ai rêvé d'elle. Maman Jeanne, dans le 14e. J'ai rêvé d'elle cette nuit. C'est bizarre. Ce matin.
Parce que je me suis réveillée à 4 heures. Il y a quelqu'un qui m'a appelé à 4 heures du matin. J'ai dit, hein, au Cameroun en plus, j'ai dit que mais celui-ci, il est venu me prendre dans la sorcellerie ou quoi. On lui a dit qu'il faut appeler le numéro 6 et comme ça, quand, dès qu'elle dit allô, c'est bon. Je suis resté comme ça, j'ai écouté, j'attendais qu'il dise allô. Avec un bébé à côté qui pleurait, j'ai dit que ça, c'est quoi ça? Wonderful. J'ai dit que mais ça, c'est la qualité qu'on parle. J'envoie son numéro, on peut l'arrêter. Comment tu peux aller réveiller la femme de Truy à 4 heures du matin, mais les gens sont comment même? Peut-être c'est les gens qui voient ma photo, ils se masturbent. Hein? Je peux faire comme ça que c'est ça, hein? Quelqu'un voit ma photo, il se masturbe. À 4 heures du matin, tu prends le téléphone, tu appelles. Il n'appelle même pas Gazap. Hein. Il appelle directement la ligne machin. Mmh. Moi, je suis belle. Mon rouge à lèvres n'est pas parti. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Je me repose un peu. Tout à l'heure, je vais faire le chapelet à 15h30. Que j'ai le temps quand même de me poser. Depuis que je suis rentrée de l'église et tout ça, là, on a fait à manger. On a préparé, on a mangé et il faut que je me repose, que mon esprit me trouve prête. D'accord? Tranquille, posée et tout. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous à 18h chez monsieur et madame Messin. D'accord? Chez le couple Messin. De toutes les façons, dès que l'émission va commencer, tac, et puis moi je vais mettre sur ma page et j'attends aussi que vous partagez. Il faut partager. D'accord? Je vous embrasse. Bisous, bisous. Mouah. Soyons tous bénis. Ciao. Mouah.